Malmené par la vie, Charles, un des 14 agriculteurs de la nouvelle saison de l'amour est dans le pré dont la deuxième partie des portraits est diffusée sur M6 ce lundi 6 février, a été déstabilisé par les paroles de son petit frère. Ce grand sensible a craqué. Le lancement de la saison 18 de l'amour est dans le pré laisse déjà esquisser de moments forts et la présence de personnalités touchantes. Dans le lot, Charles, 43 ans, éleveur en Pays de la Loire devrait donner quelques larmichettes aux téléspectateurs les plus réceptifs. Orphelin de mère à 15 ans, Charles est contraint par son père d'arrêter l'école l'année suivante pour l'aider sur l'exploitation. Durant 10 ans, il se donne totalement à la ferme, s'oubliant et laissant de côté sa vie de jeune homme. Lorsque son père prend sa retraite, il reprend l'exploitation avec son petit frère Cédric. L'amour est dans le pré 2023, Charles fond en larmes face aux propos de son frère Cédric interrogé sur son frère, Cédric, avec pudeur, confie son admiration. Je suis fier de ce que Charles est devenu. Si est-il quelqu'un qui a une force de caractère, une certaine résilience explique-t-il avant de poursuivre, il est attentionné envers ses proches. On peut toujours lui demander un service, il est toujours là pour le rendre. Il n'est une faux pas plus pour que Charles écrase quelques larmes. Une émotion qui se poursuit lorsque son petit frère ajoute « J'espère qu'il va trouver la personne qui lui conviendra ». Divorcé, père de deux enfants, l'agriculteur a besoin de partager et recevoir autant d'amour qu'il a à en donner. Sa famille, comme lui, semble attendre beaucoup de l'émission. Charles, l'amour est dans le pré 2023, une sensibilité assumée loin de l'image que certains hommes peuvent se donner, Charles est entier. Sensible? Il l'est et ne fait pas une question. Cela fait partie de sa personnalité, il sait s'émerveiller des belles choses. Sa future compagne ne pourra pas lui reprocher d'être vite saisie par l'émotion car le candidat de l'amour est dans le pré l'aura montré dès son portrait. Charles aspire à une vie simple, dans l'environnement qu'il a créé, avec son frère. Un cadre de vie dans lequel ses deux garçons, âgés de 8 et 4 ans, ont une place prépondérante. Avec sa participation à l'émission de M6, l'agriculteur espère sans doute tourner une page et ouvrir un nouveau chapitre où résonnent les rires et fleurissent les bons souvenirs. À lire aussi l'amour est dans le pré 2023, Charles marqué par la mort de sa maman dans un accident de voiture.